Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et peut-être la dernière en Alaska si on finit, si je finis tout, je sais pas. Alors l'émission, il y a pas mal d'émissions, justement il y en a un paquet. Les défis, il y en a 3, ça je les ferai en off. Après les tâches, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a 10 que j'ai trouvé. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire 3. Alors, on va essayer. Il y a des missions qu'on a l'habitude de remorquage ou de trucs avec le petit X-Scout là, avec moi. Je ferai le Tatarine. Ça, je vais pas le faire parce que j'ai déjà montré. Bon, je sais pas. J'ai pas envie. Après, il y a des missions de remorquage, remorque à bâche, tout ça, ou remorque à carburant. J'avais montré aussi. Bon, voilà, on sait pas. Et alors, par contre, il y a trois. Comment ça s'appelle? Mission avec la grue à faire. Avec la grue, il y a 3 missions. Ça va changer surtout. Bon, je les ai fait la dernière fois. C'est vrai, des missions avec la grue. Mais par contre, ça, on va devoir. C'est la première mission. On va devoir utiliser la grosse grue, la grue lourde ici. Puis comme vous voyez, il faut récupérer le gros tuyau là-bas, qui est un tuyau de pipeline là. Il faut l'amener là, il est à côté. Et donc il m'a fallu, alors je suis allé me chercher la grande grue. D'abord j'ai essayé avec la petite grue, mais c'était trop gros parce que je savais pas comment c'était, et en fait ça n'allait pas. J'ai pris la grande donc, mais arrivé, il a fallu que je fasse 2 fois le voyage, je me suis renversé en route parce que cet engin là c'est pas stable. Si la petite grue est pas stable, la grande est encore moins, c'est. Et donc il a fait que je revienne, donc je me suis installé, j'ai essayé, bon ça marche, je l'ai bougé un petit peu, hein, il était dans l'eau, mais là, bon ça va. Et je me suis dit, comme il faut que je l'amène quand même à côté là, c'est pas loin, hein, c'est juste à côté là, je sais pas si je pouvais l'amener avec la grue, avec stabilité tout ça, j'ai pas voulu, puis je sais pas si ça m'aurait pris la mission. Donc du coup j'ai amené le semi-remorque, pour le mettre dessus, et comme ça je l'amènerai avec le semi-remorque. Et donc normalement, si je ne me suis pas trompé, s'il n'y a pas de problème, ça devrait être vite fait. Et donc voilà. Et là, après j'irai me chercher avec celui-là la petite grue, et je ferai les 2 autres missions qui sont des missions de marchandises qu'on a. L'une c'est des ciments, on l'a déjà vu, mais la deuxième c'est des conteneurs de fret. Bon, comme on l'a pas vu, c'est un peu plus gros, donc bon, ça va, c'est pour changer un petit peu quoi. Voilà. Je préfère que c'est plus intéressant à faire quand même, donc voilà. Bon, bien, on va y aller. Hein. Donc, on va démarrer. On va mettre la grue. On va faire les pieds. Voilà. Et donc, pas par là, mais par là. Alors, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de on ne voit pas la cabine. La cabine de la grue, on la voit pas. Elle est là, mais on n'y est pas dedans, quoi. Donc voilà, on va essayer ça. Alors, ouais, comme vous voyez, il est grand le milieu, quand même. Donc, je savais pas comment il était. Et quand j'ai vu que l'engin, c'est où qu'on va? Par là. Par contre, ouais, si je vais essayer de... Ah oui, il faut que je... comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Logiquement, ça doit passer. Alors par contre, il va peut-être falloir que je recule, non, un peu. Ouais. Si je sors, oui, je peux sortir, pas de problème. Parce que voilà, après, comme ça, pour l'amener en sortant les crochets, j'ai peur de que ça bascule, donc j'ai pas voulu. Je vais changer le camion. Qu'est-ce qu'il a marqué? La cargaison est soulevée avec le trait, ouais. Ah ouais. Papa papoum, papa papoum. Bon, ben, je vais tester comme ça alors. Hein.
Oh, il n'y a pas de raison. Voyons. Oh, il va tomber. Voyons. Lâcher. Oui, il n'a pas l'air de tomber. On va tester. Est-ce que... Empilé. La cargaison est mal disposée. D'accord. Bon, on va déjà... si je recule... Et si je fais comme ça... C'est l'orgueil, voyons. C'est que ça va donner. On va pas aller plus loin. On va faire comme ça. Non, pas comme ça. Empiler. Yes. Ok, Manjalo. Très bien. Je vais... On a changé les camions de nouveau parce que je veux voir. Je l'ai éteint celui-là ou pas. Ah oui, je l'avais pas éteint. Ok. Alors, c'est parti. Changer de camion. Voilà. Oui, une sacrée machine quand même. Eh oui. Bon, allez, c'est parti. Allons-y, gamin. Et ça devrait être plus stable quand même aussi. Hein. Je sais pas, mais il faut que je tourne quand même. Hein. Ah ouais, ah oui, pas bon quand même. Non, ah oui, comme ça. Pas bon, non. Ouais, c'est bon. Yes. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Hein. Ouais, parce que le tuyau... Ouais, mais c'est un tuyau, c'est... C'est là où rentre le pétrole. C'est le tuyau de pipeline. Où c'est qu'il faut que je mette ça? Ah oui, c'est que j'ai pas fait, par contre, hein, c'est ça. C'est que je sais plus ce que c'est. C'était quoi déjà, ça? Mais on se rappelle plus. Ça, non. Citerne, non. Le tuyau perdu, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Suivre. D'accord, on est là. Gros tuyau. Je l'ai là. Hop, ici. Alors, il faut que je me mette là. Parce que j'ai oublié de le... Ici. Donc... Mais oui. Parfait. Allez, va pas plus loin. Pas la peine. Allez, là, c'est bon. Moi, bon, finalement, ça t'est vite fait parce que... Oh, 10 minutes quand même. Parce que... J'ai préparé avant, sinon... ça aurait été la galère, autrement. Le tuyau perdu, vous l'avez retrouvé. Excellent. Il aurait fallu des semaines pour obtenir un modèle de rechange. Je vous remercie. On a gagné 1950 et 360 d'expérience. Ouais. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ça. Ça et ça. Ensuite, on va arrêter ça. C'est quoi ce qu'on sait dans les montagnes? Bon, c'est le truc de scout tout ça. Je ne vais pas faire. Ce que je vais faire, pas ça, mais ça.
Hop, tac, tac. The White Western, oh, c'est celui-là. Non, le 2017. Il est là. Nickel. Alors, on va. Voilà. Ça me permet de vous montrer la grue. Bon, il n'y a pas de vue sur la cabine de la grue quand même, par contre. Bon, c'est dommage d'ailleurs, mais bon. Ensuite, pas tout à voir. Hein. Ensuite, on va initialiser la grue. Tac. C'est plus rapide. Parce qu'après, on va récupérer. Yes. Ça va aller plus vite. Parce que maintenant, on va faire ça. Le module châssis. La grue lourde, on la désinstalle. Le plateau, qu'est-ce que je lui dis que je voulais mettre? La petite grue. Châssis, châssis, châssis. Grue de chargement, la petite grue. Parfait. Hop, et le plateau. Remorque, je fais que ça. Là. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est par rapport à la grue russe, la grue américaine, elle est plus costaud, elle est mieux. Hein. C'est vrai que la petite grue, je parle. Hein. Bon, voilà, allez, ok. Alors, on est parti. Je vais d'abord mettre le. Je vais d'abord mettre. De 4 roues. Ce qui est intéressant après, c'est que les ciments, on va pouvoir les prendre. On en a 4 à prendre et on va les prendre sur le lac là-bas. Donc on va pouvoir faire un petit tour sur le lac. Attends. Et là, on va d'abord aller faire les conteneurs de fret. Je vais continuer. Il faut les amener au port, je sais. Enfin, petite vue intérieure. Donc on y est. C'est oui, c'est là qu'on va. Hein. Jeannot. C'est là que je vais. Alors, par contre, bon, cela va être le passage délicat, parce qu'après, ce sera que de la route. Mais, alors, les conteneurs, ils sont ici. Il y en a deux. J'ai deux passages à faire, en fait. Hein. Je fais un deux fois, hein. Je vais pas y prendre de remorque ni rien, hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Que dalle. Hein. Je vais me tourner là-bas. Comme quoi, je ne pensais pas forcément vous montrer beaucoup de chargement manuel, puis finalement. Là. Alors, je vais en premier lieu recommencer. Alors. C'est pas ça, c'est pas ça. Les lignes non plus, ours mal léché, non, c'est le ciment. Parking, fourniture abandonnée, c'est pas ça le fourniture abandonnée. Non, c'est pas ça. Remorque à vache. Coincé dans les montagnes, c'est pas ça. Contenu dans la rivière, voilà. Contenu dans la rivière, tac. Donc, le contenu de fret, il y en a un là, et l'autre, il est à côté. Et le port, il est là-bas, hein. Donc voilà. Donc je peux vous lire le pitch, je sais pas si vous voulez, le pitch enfin. Salut, moi c'est Peter. Je travaille pour une entreprise de transport appelée Alaskan Transit. Nous avons eu un malheureux accident et les conteneurs d'outils se sont retrouvés au fond de la rivière. Pouvez-vous les localiser et les ramener à la base?
Donc voilà, on gagne 2600 et 350 d'XP. À propos, j'en suis à au rang 30, je suis au rang 30, je sais pas combien il y a de rang en fait. Et 200 000, 204 000, c'est ensemble. Timer, je suis à 98. J'ai pas réussi à faire les 100%, il me manque 2% parce qu'il me manque des. En fait, il me manque. Timer, c'est où Timer là? C'est marqué où ça? Ça, ouais. Tamir, il me manque des améliorations, il me manque, j'en ai 56 sur 68, et des missions, j'en ai 182 sur 227, il me manque comme mission. Non, c'est pas ça. Ah non, je me suis trompé. Non, c'est... j'en ai 18 sur 24, hein, donc il me manque 6, du 6, non, 5, du 5, 13, hein, donc 6, voilà, c'est ça. 13, oui, 6, ouais, je sais plus compter. Démission, j'en ai 69 sur 71, donc il me manque que 2. Et puis là, après, le reste, je sais pas, mais bon, voilà. Parcouru 377 136 km. Ben non. Ok, bon voilà. Allez, go, on y va. Alors, je vais faire comme ça, la grue. Le truc là. Et on va en prendre un, celui-là pareil. Celui-là, je sais qu'il passe, c'est pour ça. Pas si je le tourne, je sais pas s'il passerait autrement. Oh, puis ouais, c'est bon. Hop, par contre, est-ce que ouais, c'est bon. Hop, papam pam, empilé. Yes, réinitialiser, et voilà. Allez, go, et on est parti. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe de pas renverser quand même. Hein. C'est pas très stable ça non plus. Hein. J'ai pris j'ai fait d'abord les grosses cargaisons là. J'ai fait l'autre en même temps chez celle-là. Après le ciment, c'est un peu plus cool à porter quand même. Hein. Comme après j'ai que la route à partir de là, j'ai que la route après. Donc ça devrait aller. Bon. C'est par là que ça se passe. Donc là ça devrait aller, hein. Ou presque. Tiens, je crois que j'ai crevé. Ah ouais, j'ai crevé. Oh, j'ai le pneu, il est malade quand même. Ah ouais. Il y a le pneu droit, le gauche. Le gauche ou le droit d'ailleurs? Non, c'est là d'être le gauche, ouais. Ah ouais, il est crevé. Ah ouais, il est crevé. C'est pas grave, hein. Ça va rouler quand même. Hein. En plus, je crois que là-bas j'ai des remorques de. Je vais pouvoir avoir les remorques de réparation, je pense. Donc, je vais pouvoir réparer.
On va faire comme ça. Ah ouais, c'est en face. Ouais, 5 sur 6, c'est ça. J'ai un pneu qui... Bon, allez, 1 sur 2. Suivant. Voyons, j'ai un trou de remorque, je crois, non, par là. Ouais, là-bas. Est-ce que j'ai le remorque directement ou pas? Non, j'ai la citerne d'essence. Mais pas la remorque. Donc je vais aller en chercher comme ça. Bon, je vais pas rouler avec un peu. Là je peux charger, alors ça va. Remorque, plateau. Mince. C'est pas ça que je fais. Alors, plateau, rambarde, remorque de maintenance, oui, c'est pas la peine. J'ai là derrière, mais ça, c'est pas grave. Ah mince, je peux pas! Et non, c'est vrai que je suis bête. Ah ouais, je... Ah ouais, c'est vrai, je peux pas gérer le chargement. Mince! Ouais, c'est pas bon cette histoire. Vous savez quoi? Je vais pas m'embêter. Me faire récupérer. Ça, on récupère un pneu. C'est pas grave, je suis pas loin. On n'est pas loin, alors ça va. C'est pareil, de toute façon. Je vais faire comme ça. Bon, par contre, il fallait pas que je m'aboutisse un pneu avant de partir du garage, quand même. Je vais pas m'embêter, je vais faire comme ça va plus vite que de faire la route encore. Hein. Bon, ça c'est rien que la suspension. C'est le pneu qui est plus chiant parce que bon, déjà qu'il y a du verglas, alors 4 pneus pas facile avec des chaînes déjà, alors sur 3 pneus. C'est ici qu'on est. C'est le passage un peu difficile à passer. Bon. Putain, elle est toute rouge ici, la flotte. Ah, et oui, je sais. Enfin. Je sais, je crois savoir. Je sais pas si ça vient pas des outils justement. C'est censé contenir par là. C'est censé se contenir des outils. Donc est-ce que c'est pas le conteneur qui les produits qu'il y a dedans qui se sont déversés en même temps? Ouais, c'est possible. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est pas grave, allez go.
Par là. Ouais, je m'embête pas, hein. Allez, go. Ouais, c'est bon. Hop, allez, go. Bon, c'est possible que ce soit les produits qui se sont déversés, les conteneurs. Si les conteneurs sont pas très étanches, je sais pas. Ou bon, peut-être tomber comme ça. Je ne sais même pas. Je suis venu pourtant, hein, déjà. Quand il y avait la tour là, quand je suis venu. Déverrouiller la tour, mais je ne me souviens pas comment c'était. Mais ça serait pas impossible, de toute façon. Allez, dernier voyage. Et après, cette mission sera finie. Je vais essayer d'attaquer la troisième. Oh, j'ai deux voyages à faire aussi. Oh, bien sûr. Non, de toute façon, je peux pas. Alors, non, je peux même pas. Il aurait fallu alors que je prenne un autre camion avec la remorque. Une remorque en plus. Et charger. Non, je peux pas m'embêter. Je vais faire qu'avec ça, je ne m'embête pas. Hein. Si, avec un semi. Je pense que je peux atteler là. Ouais, si, je peux l'atteler là avec la. Avec un semi, j'aurais pu faire aussi. Mais pour passer avec un semi, c'est chiant. Hein. J'aurais pu, avec la grue, on peut atteler le semi aussi. J'aurais pu atteler les deux. J'aurais pu charger les deux conteneurs. Mais bon, pas envie. Hein. Pour passer, on se fait chier alors. Heureusement que j'ai les chaînes quand même, parce que sinon je peux vous dire que ça patinerait. Déjà que. Ah, la Tatarine, par moment il y a des endroits, c'est des pneus boue, je crois. C'est le seul pneu qu'il y a. C'est un peu. Ça glisse à la Tatarine. Il passe, mais c'est vrai qu'il part en travers, il part. Hein. Il pourrait. On sent qu'il n'était pas à l'aise sur le. Sur la glace quand même. C'est normal, il n'y a pas les pneus qui sont faits pour. Hein. Allez, go! C'est bon, c'est fait. Contenant à la rivière, je ne sais pas ce qu'ils nous aurions fait sans ces outils. Inutile de dire que cela aurait été coûteux. Merci d'avoir sauvé nos arrières. Voilà, dans 2600 et 350. Allez, go! Ensuite, on fait comme ça. Arrêtez. Et c'est. Ours mal léché. C'est ours mal léché. Je vais le rentrer. Récupérer. Ouais. Ça va plus vite. Allez, go, et on repart. On va faire ça. Ça. Alors, je vous dis ours mal léché. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'ai d'abord été attaqué par un ours alors que je traversais la rivière. Puis quand je me suis échappé, je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes outils. Ils doivent être dans la rivière. Pouvez-vous aller me les chercher? Donc il faut livrer à la maison du gars, je pense, certainement, 4 trucs de ciment. Donc on gagne 3100 et 480 d'expérience. Et donc les ciments, c'est pas très loin. Donc les premiers sont ici, dans la glace ici. Le troisième et le quatrième, il est ici. Et la maison, elle est ici en fait. Donc, on va pas. Je vais commencer par la glace. Parce que si jamais, voilà, c'est quand même. Bon, j'ai une demi-heure là, mais bon. Comme ça, bon, voilà, pour finir un peu. Après, il faut bien que je montre quelque chose quand même, donc. Bon, c'est sympa à faire, hein, ça change le. Finalement, le chargement manuel, c'est pas mal aussi.
Bon, je suis toujours avec le même camion d'avoir parce que ces camions sont bien et en plus bon après il faut le payer, bon c'est toujours pareil payer les j'ai 200 000 mais bon après c'est vrai que puis il n'y a pas grand camion intéressant après. Alors voici le petit lac là. Donc là ici on a les trucs là. Hop là. Bon ça truie pas beaucoup hein. Ça glisse pas, c'est bête, c'est dommage. Bon. Non, je vais passer le concert comme ça. Mais ça, les quatre roues, ça cramponne, hein, les chaînes. Hein. Allez, go. Rebelote. C'est vrai que cette go, elle est mieux que celle que la russe. Hein. La russe, elle est pas très. Bon, que j'ai un pile, ouais c'est bon. Hop, hop. Alors, je ne t'explique pas comment on fait, hein? Compris? J'ai déjà expliqué. C'est marqué, hein, tout ça. Hop, on sort, on déballe d'abord et on rempile. On remet la grue comme ça et voilà. Alors on va passer au chariot d'où déjà? Chariot de là-bas, donc je vais passer par là-bas. Ouais. Bon, c'était la petite nouveauté. C'est quand on a chargé sur la glace. Ouais. C'est par là qu'on va? D'un coup? Ah oui, c'est vrai. Ah là, je suis pas passé parce que je suis pas passé. Mais je suis passé par là, ouais, quand je suis pas rapide. Ah bah t'es, la glace. Voyons si ça patine. Oh non, ça avance quand même. Oula! Et ben, je m'inverse quand même. Même sur le même 5-4 roues ça passe quand même. Hein. Par contre là. Si on enlève les 4 roues. Ben ça avance quand même, mine de rien. Ah ben. Pourquoi je vais te le mettre alors? On va le mettre quand même, allez, ouais, go. Si, si, il faut que je passe. Ouais, je sais pas si ça y fait grand chose le film en fait. C'est par là, je me trompe pas.
Oui, la flèche, ta soeur, hein. Mais... Allez, ouais, c'est bon. On va essayer de finir la mission. Et après, comme ça, après, ça sera bon. Parce que je suis allé voir la mission, ouais, ça va, c'est pas trop compliqué, hein. Enfin, si, un petit peu quand même, hein. si, un petit peu ici, quand même. Ce que je vais faire, hein, c'est que je suis comme ça, en fait. Oui, c'est vrai. Je me souviens que ici, je passais. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Pas eu lieu de me renverser parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai entendu souffler. Vous avez retenu votre respiration. Je l'ai senti à mes écouteurs. Et vous aviez raison parce que ça, on a eu chaud, hein? Enfin, j'ai eu chaud. Allez, hop, 2 sur 4. C'est fait, je ne me rappelais pas que ce chemin-là, il était pas sensationnel, là, là de ce côté, là-bas, là. Qu'il y avait un petit désert, là. Ici, par contre, je suis pas allé voir, en fait. Donc, ça va être la découverte, quoi. On va le faire vite déjà. Ah ouais. Mais les années, quoi, la vache. Ouais, parce que si je vais là-bas. Voyons. Ça pas de coton cette histoire-là. La vide, ce truc m'est rappelé. On va voir. Je sais pas si je vais pas faire le tour, moi. Hein. C'est pire que l'autre côté, non? J'ai l'impression. Où c'est qu'il y en a un, là? Ici. Eh bien, j'ai à te prendre après. D'abord, aller chercher l'autre. À moins que. Où c'est que. Ouais, non, parce qu'après, si je fais comme ça, je vais être ici quand même. Hein. Et si je fais ça après, je reviens là. Si je fais ça, ouais mais c'est pareil, si c'est pour revenir pour faire là, c'est pas mieux, hein. Donc ouais non non, bon c'est pareil. Allez go, je vais revenir comme ça, oui. Je vais chercher là d'abord. C'est Kifkibori quoi, de un chemin ou l'autre, hein. Ok, ça va t'arriver là. Ça me plaît pas cette histoire. Mais je vais aller jusque là-bas. Bon là ça penche aussi, oui. Et je vais aller me tourner là-bas. Et l'homme est bien en face du coup ça penche en plus. Tu peux y aller. Ouais, je sais, j'arrête pas de râler, mais bon. On est français, on l'est pas, hein. C'est connu que les Français ça râle toujours. C'est ce qui fait notre charme. 40 minutes, oui, ça va être juste. Enfin, juste, si je me plante pas, ça va aller. Je vais essayer. Je sais, donc, je suis là, parce que si je suis dans le trou là. Allez, go.
On va pas réfléchir. Parce que sinon. Allez, amène-toi, toi, allez, viens, hop, allez. J'ai fait le louper. Ouais, d'ailleurs, il est là. J'ai cru que je l'avais bien mis, mais. Oh, je vais faire comme ça. Tiens! Pas bon, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pas bonne du tout! Ça passe? Ouais. Allez, go. Et ouais, c'était des tuyaux comme ça, là. Comme ceux qu'on voit là-bas. Celui qu'on a pris tout à l'heure, je pense. C'était ça. Tuyau du pipeline. Après, oui, c'est vrai que je vais peut-être avoir du mal à le chercher quand même. Ouais. Vous vous dites, ça va être compliqué là, le chercher là, non? Aïe, bien. Il n'a pas bougé l'arbre. Ouais. Je suis comme ça, ouais. Je l'ai où le truc? Là. Par là. Qu'est-ce que ça donne si j'essaye? On va le crocher, quand même. Bon, on va essayer. On va comme ça alors. Attention. Plof. Merde. Ce. C'est pas grave, on recommence. Et j'ai voulu jouer au. Le WC. Voilà, c'est bon. Hein. Déballage et rempilage. Hop là. Bon, ici, c'est pas tout, mais on va essayer de partir maintenant. Hein. Ouais. Partir, on est parti. C'est que maintenant. Bon.
C'est ici qu'il va falloir faire gaffe. Oui, on va y aller à floc. Je vais plutôt passer comme ça. Faut que je choisisse ma trajectoire. Parce que sinon, ici je vais passer comme ça. Le passage est délicat à arriver. Ouais, si je pouvais, je passerais par là, moi, mais. Ouais, tant pis, on va essayer. Donc, ce que je vais faire, je vais pas passer par là. Je vais carrément passer dans le fond. Et va comme ça, carrément. Quitte à pas. Parce que. Je vais faire comme ça. Bon, on est passé. Bon, allez, on est passé, on va arriver et c'est bon. Et on ferme la boutique après. Allez, go! T'es. Ah, voilà. Ours mal léché. Je vous remercie. J'espère que cet ours ne reviendra pas. Il était méchant, vraiment vicieux. Donc voilà. Allez, go! Hop, on arrête là. T'es bien. Allez, go! Je fais ça. Donc. Et ça. Et ça. Il m'en reste donc, bon, les défis, je les ferai un truc, j'ai dit, parce que. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le reste, c'est. Ouais, c'est du scout. Ouais. Et après, c'est du véhicule à mener à remorquer, juste. Remorque, tout comme ça. Les citernes, hein, donc j'en ai encore 1, 2, 4, 7, ouais. J'en ai encore, je vais voir. Je vais voir si j'arrive à finir avant la prochaine vidéo, voilà. Hein. Bon allez, on va arrêter là, de toute façon on en a assez fait, de toute façon. On va arrêter là et bon ben voilà. Je vous dis donc bye bye donc et à la prochaine vidéo. Allez, ciao.